c'est pas avoir les prêts, pas avoir un grand combat qui ne vous capable pas rentrer dans les ciels. Mais l'exposer, le tout qu'il a, l'exposer à tout bas moment difficile, il y a nous la terre, les soupirs, les douleurs de l'enfantement. Il y a nous, je nous gardons pour nous revêtir cet écho céleste. Aussi longtemps qu'il nous a l'écho là, aussi longtemps qu'il nous a l'écho là, ici pour la souffrance, pour la douleur, pour la larme, pour une petite chose qui peut infecter nous. Mais il faut que nous quittions la chair là. Et c'est là, la Bible dit à nous, l'esprit bien disposé, mais la serre fait. C'est pas la serre qui nous capable vraiment de faillir. La porte ouverte dans la vie de chacun de nous. Parce que c'est pour cela que vous avez détruit sa chair là. Parce que l'adversaire a tapé nous dans la chair. Amen. Mais combien que Dieu jamais il peut avoir de nous, ou peut marcher par une vie éternelle. Et posons des questions tout le temps. T'as arrivé une petite chose, prenez le galopé pour aller, pour le sas démon, pour le. À cause de mon Dieu, il y a beaucoup de raisons qui font. Parce que Dieu a mené dans plusieurs états. Et cela, parce qu'il nous a monté, non. Cette étape pour nous fermer le Seigneur. Nous avons monté une première étape, deuxième étape, troisième étape de la sanctification. Quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à septième. Nous avons monté jusqu'à la sanctification. Pour nous capables de partir à l'enlèvement. Et c'est là. C'est pour cela que dit, sept jours le pain sans levain. Le pain sans levain, c'est un habit qui marche, un habit droit, intègre. Dans la fidélité avec Dieu. Mais Dieu, avant qu'il est pour nous, avant qu'il est nous, quand nous finissons corps en lit, nous finissons accepter Jésus. Mais là, maintenant, ça 7 jours mort soir, pour nous capables dans les fêtes. Ça fait là une fête appelée, c'est-à-dire prémisse. C'est-à-dire prendre, prêter. Écoute bien, je trouve, je te pense là. Il y a une fête qui appelle fête prémisse. Ça, appelle ça la Pâque. La Pâque. Après la Pâque, je dis ça dans Exode, nous pas. Je vous trouve dans chapitre 23, dans. Ou non. Dans l'homme, ça. Chapitre 23, où vous trouvez qui explique ça. Première fête qu'il y a, dans Exode, chapitre 12, prend l'agneau, puis il dit. C'est-à-dire qu'on prend ce du sang, mais devant l'agneau, la peau. Et c'est là. Car ça, ça représente l'amour de Jésus-Christ à l'agneau, là, c'est la Pâque. C'est à travers la Pâque qu'il y a les peuples qui sont sortis. Mais nous, la première fête, c'est la Pâque. Deuxième fête, c'est le pain sans les levain, 7 jours. Et troisième fête, il y a 7 fêtes comme ça. Il y a 7 fêtes trompées, tabernacle. Trompette là, il y a un d'Apocalypse, tabernacle, c'est la nouvelle Jérusalem pour descendre de la terre. Qui Dieu habite avec les hommes. Maintenant, quand nous finissons, arrivons à la croix ici, c'est-à-dire, nous la mort, c'est pendant 7 jours. Et c'est là. Ça, 7 jours-là, pas que dire à la 7, à la meilleure longue. C'est-à-dire, nous faisons morcer jusqu'à sa 7 semaines, les pains sans les vins. C'est-à-dire, nous faisons morcer, et il y a là, nous faisons fait prémisse. Prémisse, c'est-à-dire, appelle ça l'enlèvement. Et c'est là. Après l'enlèvement, la route continue, c'est Van Kiken qui passe sincère, Van Kiken qui vierge folle, qui peut marcher avec Dieu, qui passe sincère, qui peut marcher avec l'apparence de la piété, mais rien ici qui fait la force. Et dans l'apparence chrétienne, mais en réalité, nous pas chrétiens. Le sentier dans lequel le Saint-Esprit emmène nous pour repentir, mais nous reste dans l'orgueil. Nous remarchons par la tête, nous pensons ce qui nous fait faire bon. Jamais m'accepter conseil. Nous marchons toujours par nos raisonnements. Pour accorder nous pour rester ici. Ici pour rester. Ça va être vierge. Qu'il faut le pour rester. Alors les mains, ça 5 heures, vierge, ça a qui prend le vie. Mais ça n'a pour rester ici. Et c'est là pour là ça 12. C'est-à-dire, il y a 124, moi je connais. Combien de juifs qui vous convertissent? Combien? C'est un man qui marche avec Dieu.
Je ne suis pas venu les péchés. Je viens accepter la parole de Dieu. Qui s'en a dit combien? Combien? 124 000. Combien je connais de 144 000. Ça là, je dis là, 144, je dis plus 20. Ça 144 là ici, ça 144 là, c'est l'antiquen qui vous reste, je vous là. Et là, vous avez des prophètes qui vous là. Ça des prophètes là, vous m'appelez? Ça des prophètes là, vous m'appelez? On a prophète Moïse, après on a Élie. C'est déjà ça, on a là qui vous presse avec les juifs qui vont rester. Ça des prophètes là qui vous annoncent la parole et on a pour qu'ils aient des prophètes là. Je dégoûte pour lire dans l'Apocalypse. Je vous trouve. Je lis dans chapitre 15, 11, 15, 14. Je vous trouve ça discours là ici. C'est ça des là qui vous prêchez ici. Et ça dit qu'il y en a pour mourir. Après trois jours, Dieu vous ramène jusqu'à la vie. Et là, pour un silence des demi-heures de la terre, dans le ciel, pas pour aucun sacrifice, parce que Dieu simplement vous disait enlève Savannah. Et cela, combien Savannah, je ne vais pas venir dans l'os. Savannah qui restait ici, je ne vais pas dans l'os. Ici, l'enlèvement, pour en a combien là-bas? Combien de jours nous pouvons être là-haut? 7 ans. Esther de la terre, on a 3 ans et demi. L'abondance, 3 ans et demi, qu'était la famine. Père, important pour nous connaître. Hein? Parce qu'il y a cette affaire juive. C'est là. Ça, 3 ans et demi, hein? C'est déjà l'antéchrist qui vous montre un bon côté pour faire tout le monde corps leur vie. Après 3 ans et demi, il faut faire un juif, arrête de faire sacrifice, il faut montrer ce vrai aspect. Il y a là plus du monde qui vient mettre la mort 6-6. Et ça va me créer, là, je ne vais pas accepter de mettre sa mort 6-6. Là. Ben, on a pour décapiter, pour tuer, pour briser. Et tout ce qu'il a. À cause de ça, c'est important. Ben, zèle. Si les autres, c'est bien. Mais on connaît les touchants pour que j'en vise. Le chantier nous peut laisser. Mais. Se récompense devant bien pour toi. Et je l'ai. Parce que pour nous capables de sauver, c'est l'obéissance. Parce que ça se voit que la personne parent qui ramène ses enfants. L'enlèvement, ce n'est pas parent qui les enfants. C'est Christ qui enlève. Et c'est ce qui dans la rébellion, dans la désobéissance, qui vous respire. Et c'est cela. À cause de ça même qui, là, c'est pas une affaire d'un sentiment. Ce n'est pas des affaires d'un sentiment, c'est des affaires qui nous pénoncent pour l'enlèvement. Nous l'amorce, il a. C'est-à-dire nous tout trouver, même des affaires. Oui. C'est-à-dire nous l'amorce de tous les jours ici. Nous pénoncer, nous tout. Nous l'amène jusqu'à là. Et c'est là qu'il nous manque. Ok? Et tout ce qui vous fait des autres là, si vous voyez dans la Bible, Corinthiens chapitre 5. Christ c'est notre pain. Dans Corinthiens, là ici, les pains sans le levain, dans Corinthiens 5, même il dit, célébrer la Pâque avec les pains sans le levain. Et c'est ici, l'enlèvement dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible qui a dit Christ et les prémices. L'équipe est restée parmi les mots. Et cela, c'est cela nous pouvons enlever nous aussi. Tout fait que Dieu fait, il peut être fait à ça. Quand il parle fait de la trompette, je vous trouve dans l'Apocalypse, il y a 7 trompettes. Quand les boucles t'a fait tabernacle, Dieu vous descend avec les hommes, Dieu vous habite parmi le peuple, c'est le fait tabernacle. Maintenant, ça, on va faire tabernacle concerne nous. Hein. Mais quand nous vous expliquer la Pâque ici, et nous trouver après la Pâque qu'il y a, après Pâque qu'il y a, 24 minutes. On dit 4 minutes là. Après Pâque qu'il y a. Hein? Après pas qu'il y a la vieille Jésus qui dit ça. Hein? Pena Casimodio. Le moment Casimodio veut dire la Pentecôte. Et je dis, la Pentecôte, Jésus fit mort ici. Il vient rester troisième jour. Après la Bible vient nous, combien de temps il vient rester avec ce man ici? 40 jours. Après 40 jours, Jésus vient enlever au ciel. Maintenant, il vient rester 10 jours.
Je viens d'entendre que le Saint-Esprit descend. Ok? Veillez 50 jours. 50 jours, c'est exilé. Les peuples libérés. Et je dis, comprends bien, c'est l'Esprit descend. Tout ça là, il a sa signification. Lisez ça, Esprit, nous vous comptons. Vraiment, il y a une fois, je t'explique, comme ça. Pas le dialogue, non, il y a envie de dire, ben. Et je dis, je les comprends? Ça n'est pas un comprend. Je ne comprends plus. C'est interdit. Comment? Vous posez une question avec vous. Jésus-Christ dit avec cet homme qui l'aura pas côté lui, il dit à lui, ce soir même tu vois avec moi dans le royaume de paradis. Mais moi, on peut dire, quand nous marchons, ici qui nous parle les vies. Mais comment les vies en fait? Je tout là, mon petit investisseur. Il dit à nous ça, je dis même te voir avec moi dans les paradis. Quelque part, Dieu est comme celui qui est. Mais il est capable d'y aller un jour pour avec moi dans les paradis. Il dit aller ce soir même. C'est avec moi dans. Dans les paradis. Mais lui, lui-même, la Bible dit lui, il reste trois jours ici. Parce qu'il est déjà descendu. Parce qu'il est Saint-Esprit qui vient ressusciter. Ressusciter Jésus. Et c'est ça. Quand nous parlons aujourd'hui, prends ici. Ok? Prends ici. Pour nous vivre ça sept jours-là. Jusqu'à l'enlèvement, et puis la croix, jusqu'à l'enlèvement même aujourd'hui. Et cela, si aujourd'hui tu entends la voix de l'Esprit, t'as un Dieu si tu le fais, aujourd'hui. Si aujourd'hui le Saint-Esprit t'appelle toi, tu as accepté de recevoir la grâce. C'est-à-dire, nous dans les jours de là, c'est la grâce. Appelle ça aujourd'hui. Et quand on appelle hier, aujourd'hui, et éternellement. Hier, c'est Dieu, le Père. Aujourd'hui, c'est le Fils, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, hier. Quand on parle aujourd'hui, aujourd'hui, c'est nous dans Satan. Okay? Si aujourd'hui, tu crois en moi, tu peux être sauvé. Et c'est sauvé là, les autres. Aujourd'hui, c'est de nous accorder depuis là, les autres. Et c'est là. Et Apocalypse, si aujourd'hui, tu entends la voix de l'Esprit, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est aujourd'hui. Et cela. Aujourd'hui, depuis la croix, vint jusqu'à l'enlèvement pour appeler au. Bien comprendre? Aujourd'hui. Quand on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire l'année de là? Aujourd'hui, c'est l'année de là? C'est-à-dire l'année passante. Nous nous donnons l'année de là? À cause de ça, même nous ne pouvons pas faire rêver. Parce qu'il nous donne l'année de là? Grâce. À cause de ça. C'est des succès qui veut dire. C'est des perfection. Perfection d'un perfection. Nous escalons les mains. Les circuits qui nous disent circuit, nous disons. Nous disons du monde, c'est eux qui ont dit. Hein? Sacrifice. Circuit, c'est dire sacrifier. Sacrifice. Je t'ai expliqué trois qui étaient. Je t'ai expliqué un. Et nous explique cinq aussi. Mais vous connaissez, il ne peut pas rester bien dans la tête. Quand vous finissez, vous allez vous aider à se regretter. Comme ça, ça va venir. Gloire à Dieu. Viens nous la Bible ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons la prière, frères et sœurs, pour nous apprendre. Amen. Là, nous parlons, il y a beaucoup de monde mal compris. Les diamants comme ça, et là, dis-moi, pensez l'assemblée à laquelle nous étions pareillement les autres. Si tu es pareil, jamais dis-moi, vous posez une question, pas comme Dieu. Il n'est pas pareil. Tu fais voter, il n'est pas pareil. T'as l'air de vous poser, vous pouvez décider pareil. Parce que l'église, il donne captif.
Comment vous comprendre un piquet de ses balles, blanc, il y a un ordre sur la main. Un ordre sur la main, mais il peut y avoir une flèche. Et mon poser la question où qu'il a. Ça ordre sur la main qui est ça. Parce qu'il ne dit pas époque. Et à tout moment, les autres, l'enseignement avait disparu. Qui ça veut dire ça ordre? Oui, parce qu'il fait. Ce qu'il nous explique, c'est qu'il nous explique une chose qui cachait les voilés, mais elle dévoilée. Nous expliquons Flesla qui était ça. Flesla nous expliquait. Flesse, c'est-à-dire, ena la langue pour flesse. Je dis, la langue pour flesse. C'est-à-dire pour nous des mensonges. Et ce ça, ce qui dans ce lame-là, quoi de ça? Et là, ça ordre là dans ce lame, ça c'est la bouche. C'est dans la bouche qu'il a la langue de Dieu. Dans la main, ça ordre là c'est la bouche. Mais ça fait ça c'est la langue. Viens dans ce jeu pour nous. Est-ce que je crois la langue en plus? Je crois? Nous allons dire tout? Nous allons dire. Après nous réunions. Jérémie, quand ça prit neuf. Verset 3. Ils ont la langue tendue comme un homme et lancent les mensonges. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans les pays. C'est-à-dire, les dieux, ils ont la langue comme un lance. C'est-à-dire, pour lancer un homme et lancent les mensonges. C'est-à-dire, un homme, la langue dans qui il est placé? Dans la bouche. La bouche là, c'est sa même langue là. Sa flèche là, c'est la langue. Regardez-vous encore dans Somme, encore dans Somme, regardez-vous, 57, pourquoi? Somme, 57. Regardez, Somme 57. Au lieu verset 5, Somme 57, verset 5. Au milieu des hommes qui ont pourtant la lance et les. Vous pouvez écouter? Est-ce que vous avez dit? Somme 57. Qui parle? Je dis, mais vous voilà, la Bible, bon. Ou dans 58 ou vous les bébés? 57. 57, disons, mon âme est parmi les lions. Mon âme est parmi les lions. Quand il peut dire son âme est parmi les lions, il n'est pas parmi les animaux dans le cas là. Il est parmi les qui t'aiment, qui peuvent d'attaquer. Parmi les lions. Des bêtes féroces. C'est-à-dire parmi mon adversaire qui m'est remis une attaque. Regardez. J'ai couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Regardez. Il y a au milieu de mon petit estel, il y a un sans une des gens qui vomissent la flamme. J'ai toujours vomi la flamme où? Et il dit, au milieu des gens qui ont. Au milieu des gens qui ont pour dents. La lance et les. Ça veut dire, Olilo, c'est mal, il y en a un autre. Ça l'offre là pour tirer. Ça l'offre là, c'est la bouche. Je ne sais pas pourquoi l'offre là, mais quel offre là, la bouche. Je ne sais pas pour lire dans la Bible. C'est Dieu qui vient montrer nous, l'offre là, c'est la bouche.
Seigneur dit sorti pour tirer. Ces malins, quand vous dites, ces quoi-là, ils représentent la guerre, ils représentent un royaume. Mais celui qui monte sur ces malins, c'est quelqu'un qui sait qui dirige sa royaume-là. Nous continuons. Il dit, la langue est un glaive tranchant. C'est-à-dire, il dit, dans la langue, comme un glaive tranchant. C'est pour cela, aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de qui ont mis cette cavalier planche mensonge. Comment planche mensonge? Pour prendre la Bible et pour avoir une flèche à travers un chrétien, à travers la bouche, pour atteindre un qui t'aime. Et cela, quelqu'un vous montrer où dans la Bible, pour pas qu'on est vous gagnez le temps contre vous aussi, même préparer. Écoute bien, quelqu'un vous montrer où, comment ça l'esprit là, les vignes. Et lui avait détruit pour ses dieux. Viens nous la Bible ensemble. Pourquoi dans votre vie? Dans 1 Roi 22. Si quand vous me posez la question de Dieu, je ne peux connaître la Bible dans l'Apocalypse, c'est dans un symbole. C'est à travers ce symbole que nous comprenons qui était ça. Ou quelqu'un du monde, mais sa flèche là, sa arbre c'est la bouche, ça n'est pas pour vous. Si vous avez un dictionnaire, ou un dictionnaire, alors que Dieu, qui fait qu'il veut dire un homme, il peut expliquer que j'ai la sas. Puiter les animaux. Mais dans la Bible, pas comme ça. La Bible, où vous avez interprété d'après que la parole de Dieu est interprétée. La parole de Dieu montre où sa langue, ça c'est la langue. Et c'est pour la langue qu'on peut placer. C'est-à-dire pour me dire. C'est-à-dire c'est la bouche qui vous fait pour l'endet mensonges. C'est comme ça qu'il travaille. Et il y a en plein, il dit dans l'assemblée, il y a en déo. À cause de ça même qui se demandait si Dieu permet nous, que Dieu nous enlève l'équipe qui remplit de feu. Pour aller pour déraciner sa petite chose là. Vous voyez? Est-ce que c'est dans le tout? Chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Vous demandez un frère à lire? Le verset premier, il y a un petit peu long, juste pour nous comprendre. On resta 3 ans sans diviser contre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que la route en Galaad est la nuit? Et nous ne nous inquiétons pas de la réponse des mains du roi des Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer la route en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon père comme ton père, mes chevaux comme tes chevaux. Écoute bien, m'arrête un coup là. Juste pour éclairer certaines choses. Mon peuple, pour avec ton peuple, mon cerveau avec toi. C'est-à-dire, les rois là, les plots, c'est pas ici. C'est-à-dire, les bouquets de ce royaume pour faire la guerre. Et je dis, continue. Verset 5. Oui, je n'ai pas dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Écoute bien là, ce qu'il faut éviter, fait dire d'aller là. Faire quelque chose sans consulter bon Dieu faillir. C'est un qui veut dire là. Avant qu'il nous montait, nous allons consulter bon Dieu, nous mettons si nous pouvons monter, si il vient nous aller, nous aller. Pas l'étaler de ta prière, faire la surprise. C'est ça, mais ça. Il faut demander à Dieu, est-ce qu'il m'a besoin d'aller là? J'ai dit bon, si je dois aller là. Continue. Verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nom d'environ 400. Et il a dit,
Il reste à ta même amour dans Gala. Écoute bien. Il finit de rassembler combien de prophètes? 400 prophètes peuple Israël. Pour dire ce mal prophète là, est-ce qu'il nous peut monter? Écoute bien. Fais-moi dire. Moi, je peux venir avec Dieu, je veux tout bien faire en cercle là. Je suis prophète de Dieu. Est-ce qu'il faut puisse monter pour le combat ou non? Parce que je suis prophète de Dieu de moi. Si je monte, soit je pas. Continue. Et il répondit au monde, et le Seigneur l'a mis là contre les mains du corps. Et c'est ça. Les Josaphat dit. Et qui a monté? Il nous a dit, allez. Bon. C'est-à-dire que l'ennemi n'a fini de livrer que vous gagnez la victoire. Est-ce que c'est d'accord? Il dit ça. Et verset 7. Et Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Il dit, est-ce qu'il y a dit ça maintenant et encore prophète de l'Éternel? C'est oui. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme pour qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais c'est Aïe, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Élisée, fils de Juna. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Oui, le verset 9, suivez la Bible. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir de suite Élisée, fils de Juna. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tout prophète, et tous les prophètes prophétisaient les mauvais. Écoute bien, tous les prophètes prophétisaient. Quand prophétisaient, qui s'est mis pour prophétiser? Hein? Qui s'est mis la bouche? Après, la bouche à langue. Oui. Combien? Verset 11. C'est Nessias, fils de Kenana, s'était fait des hauts de fer. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ses hauts, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Il dit, c'est-à-dire, il fait le cône de fer, il dit que pour aller, avec sa cône, tu frappes juste, tu jettes le cône de fer. Victoire. Continuez verset 12. Verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant: monte à ma mort en Galade, tu auras du succès. Écoute bien. Et l'Éternel a une voix contre le même. Écoute bien de tout. Qui va m'appeler? Allez à la guerre. Parce que je donne prophète, je vais dire: allez à la guerre. Dieu va livrer sa mana en te la mettant pour gagner la victoire. Et ce cas. C'est à travers la langue que je peux dire ça. Allez, nous continuons. Verset 13. Les messagers qui étaient allés appeler Moussé lui parlaient ainsi: voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Amenons du bien. Et il te dit, il dit que ici, on a fait prophétisement quand on va aller faire mettre juste un prophète ici qui est bon. Et cela, c'est bouché la foi. Vous ne pouvez pas aller dans l'assemblée pour dire du monde ce qui est bon. Moi, quand tu n'as pas bon, tu fais un du monde qui n'est pas droit. Tu fais un du monde, comment dire, que fidèle, que sincère, que dans l'apparence. Bon, puis je dois franchir. Parce que qui fait, c'est pas l'air pour faire semblant. Parce que semblant, tout le monde a fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde, je ne dois pas venir pour Zizou. Pour Zizou, parce qu'il peut dire des affaires. Mais en réalité, je ne paye pas véritable évangile. Véritable évangile. Quand Jésus fut causé, même Marie, il restait. Quand Marie m'a dit, moi que papa, je sais que toi, qui s'en a mon papa? Il était mon vina pour faire l'air des mots? Papa. Et qui? Je ne sais pas mon papa. Marie a déjà dit, Jésus, divin fini. Femme, qui n'a point toi? Je ne peux pas faire facile. Ben, elle a dit, ton frère, ton soeur, ton maman, ça n'a pas mon maman.
fou. Allez, vos enfants là, il y a mais c'est moi, non, pas moi, non, ça. Pourquoi pas si ça? Parce que Marie, il n'est pas ma mère, Jésus. Ben, comment, pourquoi Jésus m'a parlé? Physiquement, le gars, il est parlé comme ma mère, Joseph. Mais spirituellement, c'est Christ qui est dans Jésus. Comment Marie te m'enseigne? Bon, vous autres questions, comment Marie te m'enseigne? Oui, couvert par le Saint-Esprit, je te connais. Fais la relation. Mais comment il y a des enfants? Fais la relation, comment il y a des enfants? Je me pose la question. Fais la relation. Comment il y a des enfants? C'est le côté. Donc, comment il y a des enfants? Il y a des enfants. 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 Je peux prouver. Dieu, il donne la parole. L'ange, il vient de cause à Marie. Quand il cause à Marie, parole là, quand il passe. Quand il passe. Mais parole là, passe pas aux oreilles, frère. Jésus, la parole, il rentre dans Marie. Parce qu'il y a la foi, il y a des signes, non? Mais en qui vous entendez? Mais elle, la parole, il rentre, frère. Maintenant, il y a Caïn Domion. Sinon, la parole rentre quand vous écoutez. Il rentre en haut. La parole qui lance une demi-heure, il rentre dans l'oreille Marie et sa fille rentre en lit. C'est ça la foi. Oh la foi. Sans la foi, est impossible et agréable à Dieu. La parole est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. La parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire, pas la parole qui la foi grandit en lui. Alors, qui te fait tout le monde? Si tu entends la voix de l'Esprit parle aux églises, c'est-à-dire que tu es prêt, l'oreille. C'est-à-dire l'oreille qui a parlé de Dieu, rentrer. Je continue. Comment arrive? Verset 14. Oui. Il s'est répondu. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel est vivant. Verset 15. Lorsqu'il vient arriver auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer la mort dans la barre, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, mon, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Écoute bien, Michel ici, l'ici il y a un peu de mani, il dit, qu'est-ce que l'Éternel qui a dit là? Ça garde à monter. Regarde dans les versets 16, tout le temps par autour d'un jour de demande-lui tout le temps, dans les noms de Jésus, de me connaître la vérité. Hein? Si vous êtes un vrai chrétien qui est dans la crainte, vous ne pouvez pas connaître si vraiment. Parce qu'il y en a des gens qui disent oui, là. Non, moi, vous êtes là. Dans les noms de Jésus, je me connais dans la vérité, frère. Là, la peine à jouer, là, frère. Les versets 16, c'est ce que vous ne pouvez pas payer, ou pas dire. Verset 16. Et le roi lui dit, combien de femmes de fautes tu te fais assurer de nous dire que la vérité au nom de l'Éternel? Verset 16. Il s'est répondu. C'est voir tout Israël dispersé sur les montagnes. Il trouve les peuples dispersés. Comme des brebis qui n'ont pas été bergers. Et l'Éternel dit, ces hommes n'ont point de maître. Et chacun retourne en paix dans sa maison. Alléluia. Maintenant, il cause la vérité, maintenant, non. Moi, je trouve défaite devant. Et cela, je trouve défaite devant. Ce que je dis à Dieu, ça va un prophète là. Puis annoncez dans ceux qui parlent. Est-ce qu'il y a une guette qui rentre dans la bouche prophète? Qu'est-ce qui prend dans la bouche? Est-ce qu'il nous prend dans si vous trappez ça, moi je ne vais pas comprendre. Continue. Verset 18. Le roi d'Israël dit à Jonathan, ne te laisse pas dire qu'il ne prophétise sur moi, il est dévot. Il ne prophétise que du mal. Verset 19. Et Michel dit, écoute donc. Écoutez, c'est tout, écoutez, va prêcher, suis dans la Bible. Le verset 19, suis dans la Bible. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. C'est lui l'Éternel assis sur son trône. Amen. Écoute-la bien. Après, c'est pour aller. Il trouve. Voilà. Il trouve là. Je me dis que nous, ça là. On va connaître ma définitive qui vient que ça là.
Mais comment on manière qui gagne là, il y a ce trône. Les yeux là. Il y a ce trône. Correct? Allez. Il trouve l'éternel assis sur son trône. Il dit trouver. Après. J'ai vu l'éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux s'étendant auprès de lui. Toute l'armée des cieux, c'est-à-dire toutes les anges. Oui. À sa droite. À sa droite ici, ici à droite. Et à sa gauche. Ici à sa gauche. Eh bien, tout le temps, nous connaissons qu'en droite, nous portons attention. Qu'en gauche, nous portons attention. Parce que je vous explique ça mardi. Quand Jésus vient dire, si tu lisais droite, il y a une occasion de chiffre pour toi, arrache-le. Est-ce que là, moi, je dis que c'est si gauche qu'à lui. Il dit, si tu la mets droite, mais qui fait pas de gauche? Il cause la puissance. Qui fait la puissance? Je t'ai expliqué qui fait par la main gauche. Mais nous disons à la main droite là, un dimon qui est à côté de nous, nous disons que nous relation en lui. Et ce là, en réalité, ce n'est pas ça. Il dit si de la main droite est l'occasion de chute pour toi, couplé, jette-le loin de toi, puis vous mettez toi dans le côté, dans l'enfer, avec été. Dans le. Hein? Dans le royaume avec été. Elle c'est la main qui doit la mettre de la main dans. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, il veut dire Jésus-Christ qui dit j'ai droit, Jésus-Christ qui l'a mis droit, plus vaut mieux que Jésus-Christ est membre dans les corps minimaux afin qu'il me sauve. Parce que, ben, le juif, il a fait une traplique, ben, a dit plus vaut mieux les mots pour ne pas périr. Et cela, c'est lui, c'est vrai membre. C'est-à-dire lui qui vient mot pour me sauver. Mon mot coup pour la main ici, vous voulez rien dans tout ça. Oui, maintenant à gauche, à droite. Continuez. Verset 20. Oui. Et l'Éternel dit. Oui. Qui séduira à ta. Qui écoute bien, séduira à. Et là, sur gauche, sur droite, écoute-moi, je te suivre. Qui s'en a quoi séduire à. À ta qui était cette année là. Qui s'en a quoi séduire. Ça, c'est pas blanc là qui était ça. La séduction. Mais là. Mais qui s'en a pas se dire à Cab? Guette bien, continuez. Pour du monde à la mode. Pour du cabal à la guerre. En balade. Et qu'il périsse. Oui. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 21. Et bien l'esprit va se présenter. Écoute bien, je te dis là. Un esprit sorti, c'est-à-dire pour moi là, hein. Je gosse ici là. Le gosse ici. C'est-à-dire, elle n'a, il sort là-bas, il n'a. Il présente devant l'éternel. Ça, l'esprit a sorti. Il vient devant l'éternel. Pas que des droites, hein, parce qu'il tout balance le pouvoir de l'éternel. Même les diables, il peut n'avoir tout sous le temps qu'il l'éternel pas de lui. Mais ça, l'esprit qui sort à gauche là, il dit, moi, mon poil. Mais il me dit comment il poil. Un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Oui. L'Éternel lui dit, comment? Comment le faire? Oui. Je sortirai, comment dit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche. Ah, ah. Et tous ces prophètes. Écoute bien, il prend l'esprit des mensonges que tu peux habiter dans la bouche. Pour séduire les peuples. C'est pour cela dans l'assemblée. Il rentrait, il vint à la bouche pour séduire. À cause de ça, même il y a beaucoup de monde, je ne suis pas saisi de ce qui vous dit, parce qu'il y a l'esprit des mensonges qui vient à vous. Il y a l'esprit des mensonges pour faire se égarer, pour faire se pas comprendre, pour faire se pas capable de suivre cette message. Je difficulté. À part que Dieu fait une grâce, c'est Dieu. Puis nous permettre qu'il soit l'esprit là sorti. Le quatrième de l'université. Vite. Pourquoi dans Tété Salonicien ou N ou autre Bible? Oh oui, terminé, parce que vous connaissez intéressant. C'est sortiré, le conditionnel, et c'est un esprit des mensonges dans la bouche de tous ces prophètes. Et d'ailleurs dit. Tu les séduiras et tu en viendras à bout, sans effet ainsi. Amen. Dès que c'est pas là. Prends couronne,
Il y a pour eux pour sortir en vainqueur. Pour sortir pour vaincre. Et c'est là. C'est-à-dire, Dieu vient de lui pour voir comment te faire lire. Il dit, moi, me courant dans la bouche pour séduire tout ça prophète là. Qui prophète? C'est prophète qui Dieu qui fait sa vie. Il rentre dans eux. C'est pour cela qu'il rentre avec plusieurs pasteurs, plusieurs docteurs, pour faire enseigner quelque chose qui n'est pas bien enseigné. Dis-vous pas qu'on est dans quel état on peut vivre. Maintenant, beaucoup de monde pensent qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction, c'est Dieu. Non! Vous n'êtes pas tout de mettre confiance là. Ce n'est pas ça qui focalise toi, Dieu avec toi, pas ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec moi, qui casse coco, qui donne réserve, qui donne banane, qui donne idée. Ça a été un miracle qui tous les jours, explique-moi ce garçon qui a été le travail. Ce travail-là, vous m'avez écouté, mécanicien, pas facile pour gagner. Mais ce garçon rentre dans sa place. Ce chifi, il a travaillé au bateau, sur le bateau. J'ai dit, il y a un travail, et puis il y a un travail, ben même lui, c'est. Et moi, quand on ramasse coco, comme ça pour moi, qu'est-ce que mon bateau de 5 coco là-bas, au bateau ici. Ou quoi pour dire qu'il faut que vous gagnez ou dans la finance, ou n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous a la vérité? Est-ce que vous comprenez dans quel état on peut vivre? Est-ce que vous connaissez mon guerre? Est-ce que vous connaissez au bizarre même la sainte doctrine? Est-ce que vous connaissez au bizarre faire tout du monde vivre à la vérité de la parole? Est-ce que vous connaissez l'état dans lequel on peut vivre? Dieu vient beaucoup inappeler mes pécheurs qui étaient sauvés. Il ne faut pas focaliser moi parce qu'il m'a gagné ça, mon gagné ça. Non, frère. Est-ce que Dieu, il prend plaisir? Dans la parole avec moi. Et si dedans, il est capable d'avoir un esprit de mensonge pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce bien? Quand nous pouvons ça concerne. Manuel Pierre, il y a un saint prophète qui peut sortir pour aller. Parce qu'il vient faire une mission. Et un roi fin désobéir. L'armée sans les rois là fin sait qu'on lui donne la parole. Mais Dieu fait un vieux prophète. Fini une cause avec lui. Sa vieux prophète a la parole mensonge. Pour séduire sa sainte prophète là. Et sa prophète là, tu disais, Dieu qui a dit, pas faire, pas arrêter, pas manger, pas boire. Mais sa sainte prophète là qui dit, il y a un ange qui vient là, avec moi, puis dis-moi, tiens-toi, vini, vini, manger, l'esprit mensonge. C'est pour cela qu'il peut dire, même un ange dans les ciels, dans Galates chapitre 1, même un ange dans les ciels, annonce à notre évangile qu'il soit maudit. Là, c'est pas l'air pour écouter ça dans l'Afrique. L'air pour écouter ce qu'il a bien fait, tiens. Oui, tu dis un qui? Oui, il est bien lui. Il s'en a dit. Encore un deuxième. Oui. Verset 9. Verset 9. Chapitre 2, verset 9. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Écoute bien, mon frère, mon sœur. Parce que qui fait ce qu'il ne peut écouter là? Aujourd'hui, à cause de nous, il y a beaucoup la traité. Il y a beaucoup péché dans l'église. Parce que qui fait? Il y a beaucoup mensonge. Regardez le verset 9, verset 8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa. Ça fait la fin, c'est l'Apocalypse, le coup de vie. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Quand les bouvines, c'est pas blanc, ça. Hein? L'apparition, le verset 9, l'apparition de ces impies se fera par la puissance de. Avec toute chose des signes. Des produits mensongers. Et verset 10. Et avec toutes les séductions et l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas réussi l'amour de la pour être. Et verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance des pour qu'ils croient en. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient. Condamné. Ça n'a qu'il avoir un esprit de mensonge. Qui ça n'a qu'il avoir une ici? Hein? Et ceux-là?
un esprit de mensonge. Fais-nous quoi dans? Dans mon sens, frère. C'est-à-dire, beaucoup de monde qui ne comprend pas, pas capable d'accepter, c'est parce qu'il y en a qui sont capables tellement écouter, ils finissent vraiment remplis avec des choses qui parlent. Mais maintenant, Dieu, quand il dit monde pas l'écouter, il permet lui pour recevoir un esprit de mensonge, parce qu'il peine dans l'amour pour la vérité. Dieu envoyait un esprit de dégarement pour voir dans ce qui parle. Priez Dieu qui vous parle dedans. Tous les jours, priez Dieu qui vous parle dans sa côté là. Pourquoi dans mensonge? Pourquoi vous pensez mensonge? Mensonge dit vous passez près à la vérité. Il n'est pas pour venir vous dire moi un esprit mensonge. Il dit maintenant, allez, l'éternel pour avec Dieu. Ce bouquet est sacré. Et maintenant, allez. Les voilà vous. Un esprit de mensonge, dès qu'on vient avec ses saints prophètes, il dit à ses saints prophètes, non, un ange est paré par moi, il dit, moi, venir, je dois venir manger, repose-toi des mains par lui. Est-ce que vous croyez un prophète qui tient une cause en lui comme ça? Il dit, pour les faits. Est-ce que là, c'est pour cela, ou qu'on va faire assise là, des mains ou pas tout là? Ou qu'on va pas là? Qui fait ou pas tout là? Parce qu'il ou pas connu. Parce qu'il est capable, un esprit d'égarement, pour faire un corps dans mon sens, ou vous êtes veillé pour pas croire là-dedans. Vous avez ça. Est-ce que là? Gloire à Dieu. Allez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le gars qui se lance. Vite, vite, pour ne pas vous développer, mais pour vous guérir ensemble avec Dieu ici. Exode chapitre 22. Un mot de Jésus, c'est moi. Qui va te dire quand on est venu? Qui va te dire quand on est venu? Quand vous faites rien au dimanche. Et voilà, je vais te dire pas trop ce qui vous êtes dans le quand qui vient de Mathieu, ma partie d'une bouche de danser, je vais plein. Hein? Mais pas plein, à moins mon bon pape. Hein? Oui. Bon pape. Ça peut être dit, mais c'est 5. Elle dit, vous dire. Je vais mettre grand, quoi. Quand même, il dit, bon, nous, il y a où? Mais ça, dimanche, souvent, tu vas dire, un œil en gros. Le verset 22, le verset 5 à niveau libre, Exode. Si verset 5. Oui. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail être dans les champs, l'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit des sous-champs. Et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines, et est du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le sang soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Amen. Gloire à Dieu. Nous viens un autre verset encore. Nous y allons dans Jean, l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 4, ou quoi le verset? Le verset 35. Le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la maçon? Voici, je vous l'ai dit. Lèvez les yeux et regarde les sangs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Or, en ceci, c'est qu'on dit. Et celui qui sème
et comme c'est lui qui moissonne. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Verset 39. C'est plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus. Amen. Regarde là. Je viens hébreu. Hébreu chapitre 10. Et verset 1er. Pas que je t'aime, c'est qu'il est meilleur là-bas là. C'est des choses qui le disent ça. Et souligner ce qu'il peut souligner. Souligner quand la case est capable de travailler le lundi, bien encore. Hébreu, chapitre 10, le verset 1er. Hébreu, chapitre 10, le verset 1er. Oui. En effet, la loi possède le nom du bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener des assistants à la perfection. Amen. Et toujours dans le tapis, jusqu'à ma dire pour me ramener l'esprit là, le verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Il dit maintenant que le bien dans l'ombre là-bas, ce n'est pas une chose exacte. Tout ce qu'il fait dans l'ombre là-bas, ce n'est pas exact. C'est-à-dire dans tout ce qu'il fait, il faut une explication à nous. Parce que l'explication vis-à-vis d'un seul qui tient, c'est la personne de Jésus. Écoute bien. Il tient bien là-bas. Là-bas, ce qu'il nous dit. Nous dit dans les autres. Il tient si un qui tient, là. Un terrain. Il y a un champ. Il y a un champ là. Il y a une plantation. Les yeux là. Si un qui tient ces animaux, les animaux lui rentrent là-dedans. Oui, il dit comment vous êtes tout fait. Il dit ok, ces animaux rentrent dans ce champ-là. Ils viennent craser tout. Ils viennent craser tout. Ces animaux rentrent dans carreau frais du nœud. Esther fait une race qui va une plantation là. Esther, sa propriété de ça, belle flamme, les bizarres. Vous êtes en fait tous un dommage qui n'y a rien, on bouge tout ça. Vous avez compris? Si un qui quelqu'un y met du fait dans sa chambre-là, un autre chambre-là, est-ce que ce du fait de sauter une robe dans le champ voisin, et brille le champ voisin, l'ici, vous êtes en elle, vous êtes en bouche. Est-ce que là? Mais il y a une toute chose, là, qu'on peut expliquer là. Il y a comme ça, ça c'est long. Je te dis à l'ombre. Parce qu'il y a une explication pour ça. Qui était sa belle-là, qui était sa chambre. Parce qu'il y a ici pour dire là-bas, les misiers guettent la moisson. Il finit blanchi. Mon avoisin pour travailler. Est-ce que là? C'est-à-dire, dans qui il finit envoyer? Il n'envoie pas là dans les champs, dans les autres du monde, pour travailler. C'est-à-dire pour là-bas, tout là-bas. Et cela, moi je explique. Jésus lui-même, quand Dieu finit envoyé, quand il descend, il vient prendre la forme humaine, il finit rentre dans les champs de l'ennemi. Longtemps du monde, il en fait nous, il montre nous. C'est-à-dire Jésus qui était un homme faux, il vient rentrer dans la maison d'un homme pris. C'est-à-dire un homme faux. Un homme plus faux rentre dans la maison d'un homme faux. Vis-à-vis de Jésus. Après, pour être capable de dépouiller pour prendre ce man du bien. J'en ai déjà dans le fond. C'est couché là, il y a un démon. La tasse démon. Et cela. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ça l'homme faux là. C'est Moïse, ça n'est pas Pantasie. Moïse, c'est la loi. C'est pas la loi qui peut être sauvée. Il faut que Jésus vienne. C'est-à-dire, dont cet homme ici, pour amener la grâce maintenant. Excusez-moi. Parce qu'il. Jésus même dit à Satan qui travaille, mais il demande au Seigneur, Seigneur, fais des vêtements, nous avons le temps. Il n'est pas venu pour lier Satan, lui. Au contraire, il est venu pour sauver nous. Vous avez compris?
C'est-à-dire quand lui peut dire là, c'est-à-dire bizarre, c'est ton faux. L'homme faux, là, c'est la loi. Là, c'est la loi qui peut causer là. Si elle peut entrer, c'est-à-dire c'est en plus. Est-ce que là? Nous devons, selon la parole de Dieu, qui est un peu. Viens nous la Bible dans 1 Corinthiens. Chapitre 9, 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 9. Il y a dit le verset 8. Elle dit que sur la Bible, le but ça me flatte ça. Allez, verset 8. Le verset 8. Oui. Ces choses que je dis, l'existant tel que dans les visages des hommes, la loi ne les dit-elle pas aussi. La loi si dit. Aussi le verset 9. Quand il est écrit par la loi de Moïse. Écoute bien, dans la loi de Moïse, il est écrit. Tu n'observeras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Est-ce qu'il veut rien qu'il dit de bœuf, lui? Qui dit verset 10? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Qui sait à cause de nous qu'il a été écrit? Et celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foule avec l'espérance. Dit d'abord, porte. Écoute bien. Les dire comme ça, la loi de Moïse veut dire, quand un bœuf peut miser, c'est-à-dire qu'il travaille dans le terrain, pas miser sur la bouche. C'est-à-dire quand il peut travailler, il peut vous manger en même temps. C'est cela. Les dire, hein, saisis ce tout là, parlez. Il dit ce qui bondit en panier d'épée. L'épée, en vrai dire, représente nous serviteurs. Est-ce que serviteurs. Est-ce que Moïse peut dire si elle peut rentrer dans les champs? Parce qu'il peut représenter serviteurs, mais rentre dans les champs. Qui s'en a? C'est-à-dire qu'il est propriétaire. Nous portons à Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui vient envoyer sur un disciple. Quand il vient envoyer dans les champs, déjà dévisé qu'il était, est-ce que les gens finaient blancis. C'était finant voyageur qui fait la voyageur DAD. Qui fait la voyageur DAD. Ça, dans mon. Quand nous vous ça, viens nous la vie. Vous gagnez la vérité? Hein, vous gagnez? C'est d'ailleurs dans Juge. Juge, après Joseph, Josué, vous gagnez Juge. Et après l'île de Moussaïk, l'île de Moïse. Tant que Dieu ne veut bien virer, premier pour prendre nous les temps, mais c'est moi qui n'ai pas regardé bien ce qui peut passer là-bas. Allez, non, tu veux dire là, juge, quand est-ce que c'est premier? Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés. Écoute, il y a quelque temps de l'époque de la moisson des blés. Samson alla voir sa femme et lui apporta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si
si je leur fais du mal. Verset 4. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards. Écoute bien, les filles attrapent 300 renards. Imagine bien, les filles attrapent 300 renards. Allez. Et prit des flambeaux, puis qu'il tourna queue pour queue et mit un flambeau en deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied jusqu'aux plantations de l'évier. Merci, Seigneur. Écoute bien. Comprends bien. Et finalement, les filles trappent 300 renards. Facile de prendre 300 renards. On ne trappe pas un arbre. Donc, on va faire ça, c'est ça. Ça, c'est pas ça. Il trappe 300 renards et il finit à se déborder. Et puis, il tire dans un plat avec Dieu, c'est-à-dire un flambeau avec un arc. Quand je suis allé, je rentre dans la plantation comme ça. Qui est arrivé? Dieu fait pour tout. Dieu finit à avoir une thé à dépourvu. À prendre le feu. Pour rendre sa demande là, c'est Jésus qui rend ça pour son mari. Parce qu'il est propriétaire de sa vie, c'est le Seigneur. C'est-à-dire pour seule la vie. Guette bien. Vous savez qu'il nous a béni le Seigneur pour nous faire Jida. Jida, un jour, une femme peut prendre pour faire des valets. Il crache ça pour faire ça, et alors ça pour faire ça, et parler dans la maison. Qui dit qu'il a fait Dieu? Allez, je. C'est bien qu'il y avait? Si tu n'as pas continué pour le dire, oui. Et aujourd'hui, se parler à. Pour le plus grand pauvre. Il y a l'argent, il y a un import du manager, il prend un kit, non, il y a le volet. Il dit, je connais ça. Mais en réalité, il dit, mais ramasse sa peau là, sa peau vase là, qui peut faire une dépense comme ça, peut faire ça. Mais il vaut mieux nous vendre, nous capables de dire, oh. Mais en réalité, Zida, il peut courir prophétiquement sans lui-même connaître. Ce n'est pas sa vase là qui peut parler. Il peut faire sa vase qui appelle la personne de Jésus. C'est lui qui peut vendre Jésus. Est-ce que là, Jésus lui-même prit bon forfait capable d'exister, frère. Depuis que l'on parlait, qu'il est prêt à qu'il demandait. C'est pour dire la Bible du scellé, la Bible du mystère, la Bible, beaucoup de choses cachées, frère. En réalité, il y a qui fait le peu gaspiller ça. Mais quand Judas fait voir Jésus, qui lui fait avec ça l'argent? Combien gaspiller, hein? 30 pièces? Qui lui fait avec ça? Il fait une sélection avec. Des fois, mal sacrificataire. Hein? Mais qui mal sacrificataire le fait? Le casquet? Ça sent là, c'est toi et non ça. Après ça, l'argent dit ça. C'est-à-dire, ça va aller là. C'est-à-dire, pas gardi. C'est-à-dire, ça casse là, capable de rester pour ban pour. C'est nous qui ban? Ban pour. J'ai expliqué ça. Nous ban pour, ban au final, et ban étranger. Pas tout au fénin qui fait un papa qui veillait au fénin. Au fénin, moi, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, nous, on a papa pour les diables. Mais Dieu, finit il a adopté nous. C'est ça, c'est ça, mais nous, au fénin, par l'esprit de Dieu. Nous nous trouvons qui, ça va ça, qui était, c'est-à-dire, il a acheté un terrain, et après ça, l'argent dit ça. C'est pas 10 ans qui finit acheté la terre, et ça, la terre, c'est nous. Ok? C'est pour cela qu'il n'y a pas gagné. Mais là, si nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas les chats. Et si elle finit en voie, il va quitter. Il finit en voie, je. Pour rentrer dans les champs, un vrai enfant de Dieu, de l'aide au palais, si vraiment tu es dans la vraie parole, quand tu es passé dans la tornasse, quand tu es passé dans le feu, quand tu es passé dans la bouleverse par quelqu'un qui parle en vrai doctrine. Au lieu de présence, frère, qui vient trembler. Parce que quand on finit à la case dans Actes des Apôtres 14, maintenant il y a Paul qui nous bouleverse la ville finale jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'il rentre dans les champs, il prie le bord du frère. C'est pas quelqu'un qui mord les dents les pots. Nous venons ici pour recevoir, mais après voir dans les champs, pour aller le feu. Peu importe comment il y a appelé, peu importe qu'il ne te connaît pas.
c'est ici qu'il fait. Il rentre dans les champs. C'est ça parce qu'il y a beaucoup de monde pas comprend. Et là, il y a ça va le frère là, de dans la paix dans l'église. Mais de quoi qu'on comprend. Moi, quand on commence à la paix, on commence à la paix là-bas. Qui fait? Où il joue de la paix là-bas? Il dit avec le guide d'Apocalypse, si tu m'en as comme toi, parce qu'il te fait de moi qui est haut. L'autre l'église qui m'en a contre toi, depuis la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Ce qui m'en a contre toi, l'autre l'église, parce qu'il te fait l'esprit Nicolaïque, fin séduire toi. Ce qui m'en a contre toi, l'église, devinez l'enseignement de Balaam contre toi. Toi qui fais paraître vivant, mais c'est pourtant de mort. L'apparence de vivre. Je dis si vous avez la vérité, vous avez beaucoup la vérité. Mais c'est moi l'église de Jésus-Christ, de tout qu'il a là. Sa vérité qui est là en haut. Si vous connaissez dans qui vous êtes, quand vous êtes et quand vous pouvez aller. Peu importe qui dit monde. Si vous tout dit monde aujourd'hui, vous pouvez aller. Vous faites l'enseignement concernant le baptême. Vous êtes déjà baptême, il dit allez, il a baptisé. Il y a allé, il baptisé. Parce qu'il fait, Dieu apporte les faits. Dans ce l'enseignement. Faudrait où, je dis où, vous avez la plus désir, plus la flamme, plus de conviction, comme Dieu n'a pas eu fait. Et cela, pas la voyou pour ouvrir sur moi, pour aller dans les champs. Partout que vous êtes, vous avez l'enseignement. L'enseignement, frère, est-ce que tu connais le truc qu'il a? Quand nous lisons d'ailleurs dans Jean chapitre 4, le verset 35, il dit à mon fils envoie parce qu'il va dire où Jésus. De Jésus, nous n'amène la nourriture, c'est pour ça que tu n'es plus fait. Tu n'es plus fait, tu nous fatigues. Mais quand Jésus finit de sa femme là, qui connaît Jésus finit de sa femme là? Côté puis, regarde bien. Qui connaît sa côte finit de ça qui est qui condamne Rachel. Qui est nous lit? Qui côté Moïse qui vient de Sephora? Qui côté ça n'a pas voulu? Isaac. Ce Dieu, Abraham, qui n'a pas ce serviteur pour le ser scientifique ou ce garçon. Rebecca. Qui côté tu viens de dire? Remarque bien. Remarque bien. Ben, madame, condamne puis. Madame, c'est condamné où? Et je l'ai. Et madame, j'ai mon dans la vie tous les jours. Ramadan tantôt. Ben, frère, pas trop. Comprends mon langage. Pas mal, comprends, puis prends pas les frères. Jamais, quand mon pétain a fait ce point libre, moi, j'ai mon pétain ça. Et le langage dit ça. Et voilà, mon gars, tout dit mon couple là. C'est à mine, c'est à l'autre, c'est à. Quand nous, là-bas, on sert, pas moi dans les royaumes. Et le langage dit ça. Moi, j'ai quand même tout pas prendre dans les royaumes. Il y en a qui expliquent qui fait pour. Parce qu'il vous a mis. Ou vous avez monté à la maturité. Et c'est là. Si vous couvrez, vous ne pouvez pas rentrer, c'est pas une quittaine de machu qui peut monter. Et c'est là. Et ce n'est pas tout physique qui peut répondre. Vous pouvez prendre tout spirituel. À cause de ça, quand vous pouvez dire à la veille, pas comprendre dans le langage charnel. Si vous comprenez dans le langage charnel, vous pouvez vous faire un mal. Donc, vous pouvez comme ça. Et après, ben, d'un jour, c'est-à-dire, il y a 3 jours et vous. Gloire à Dieu. Mais, il fallait garder l'eau, il fallait faire la peine. Ah, dit bon. Parce qu'il vrai homme, quand Ponce Pilate finalement Jésus devant maintenant, il dit voici l'homme. Et là, c'est lui vrai homme. Parce qu'il est tout qu'il a, nous femmes. Et là, il y a un bon enfant. Ça, c'est tout pour nous. Tous les jours, vous allez laver. On dit que vous lavez l'évangile. L'évangile, c'est l'eau. Nous allons laver. À que ça va pour nous, femmes. Quand il y a femmes pour les puits, nous disons, nous sommes les puits. Et cela, nous sommes les puits. Nous sommes les laver. En même temps, on peut laver, nous sommes les laver.
je vais sanctifier. Il dit, hein, dans Jean chapitre 17, verset 17, ta parole est la vérité, sanctifie-lui par ta vérité. C'est la vérité qui lave. C'est la vérité qui sanctifie nous. D'accord, c'est même nous autant qui va nous condamner. Ah ben, le frère qui va nous verser. Est-ce là? Moi, si dans le travail de toi, je vais me faire mon robinet. Moi, je vais me faire mon robinet. Je vais tout en la raison. Est-ce là? Le bon côté de l'eau, frère. Là, quand nous étions là, je connais quand nous étions. Nous disions ça. Dans Genèse, et là, il y a une rivière, c'est la rivière là, elle a quatre branches. Ces quatre branches là, ils sont dans le seul dans la rivière, pour venir arroser sur la terre là. Et c'est là. Le tigère sur la terre là, qu'est-ce que c'est ça? Le tigère sur la terre là, c'est nous. Ces quatre branches qui sont là, qui est dit dans le Genèse, vous pouvez, ces quatre branches là, c'est ça, c'est quatre évangiles. Ça, c'est la doctrine, la connaissance, la prophétie et la révélation. Bizarre a reçu tous les jours pour nous croiser. Et cela, c'est pour cela qu'il nous disait ça dans la vie. Et si nous venons ça dans l'église, nous devons parler en langue. C'est-à-dire, pendant l'église, c'est le 10%, c'est le 10%. Puis, dès la fin, ça, c'est parler en langue. Ça, c'est pas l'enseignement. Et cela, si un du monde paye tout ça, vous pouvez aller quand dire B, B qui est bien. B qui est bien. Vous dire B, pas bien. C'est ça là. C'est nous. B veut dire servité. Qui tient là dans l'Apocalypse, tu as un visage là-bas, sa quatre têtes vivantes là, qui est là? Sa quatre têtes vivantes là, il dit. Un atelier qui est? 1 million? NB, NL, un homme. Quand Jésus vit dans la terre, il prend l'homme. Quand l'évangile présente autant qu'il veut, veut dire serviteur. Quand il me présente autant qu'il est, c'est dire prophète. Quand il présente autant qu'il y a, c'est dire le lion, c'est le roi. Et c'est là. Lion, c'est sa quatre là qui renferme les quatre évangiles, c'est sa quatre là. C'est ça qui dit aussi la vérité, que vous êtes qu'on a profondeur de Christ, la largeur, la hauteur et la profondeur. C'est pas la connaissance. Ok? Mais nous, autant qu'il y a enfant de Dieu, je vais embrouiller maintenant. Je vais embrouiller, non? Je vais pas embrouiller. C'est la nuit qui est embrouillée. On ne peut pas embrouiller, non? Vous connaissez que nous étions, et que nous pions? Nous pions. Est-ce que vous faites une charge? Depuis que nous venons à 6 là, est-ce que vous connaissez que nous étions? Vous connaissez que nous étions? Tu connais qui la vie à laquelle nous peut amener, c'est un avis combat. Est-ce qu'il te connaît qui responsabilité il a dans nous la vie? Est-ce qu'il te voit moi comme moi, moi me remplace? Vous connaissez une responsabilité, frère. Est-ce que là, sa responsabilité là, c'est pour faire ça, frère? C'est connaître qu'ils ont déjà rentré dans les champs. Et pour aller amener le feu. Vous connaissez l'église dans qui naît? Dans qui l'église naît? L'église dans qui naît? Dans la Samoa. Mais qui vient descendre nos œufs? Le feu. Quand tu fais qu'il descend, qui va naître commencer? Va la débouler avec assurance. Et cela? Il y a quelqu'un qui a dit le feu. Non, tu te débouler avec ça? Si tu ne pas d'écoute avec l'assurance, tu peux prier. Dieu vit avec Jérémie. Maintenant, au fil des habitoires, prophète des nations. Et l'on le royaume pour abattre, pour déraciner, pour ruiner, pour démolir, afin qu'il te plante, te construire, te bâtir. Qui peut dire que tu as fait ça parmi les papilles? Bien, bien, tu as l'air de péter ça, nous avons bien lavé. Quand Jésus-Christ payait dans son église, dans cette église-là, j'ai toi l'église de passer la vie. C'est toi femme, lave ton corps. Toi femme, lave ton corps. Toi femme, lave ton corps. C'est-à-dire qu'il s'est lavé pour que le vin à la statue parfaite de Christ.
Jésus peut nous laver, laver par la parole. Laver, sanctifié par la parole de Christ. Amen. Seigneur, nous comprenons là qui le plus qu'il a. Dieu vient envoyer nous autant sérité. C'est-à-dire par le but de quelqu'un qui vous travaille dans les champs. Sans nous trouver tout ce qu'on appelle, tout ce qui Moïse dit, veille. Parce que Moïse, quand il causait, qui fait nous avait dit? Qui fait nous avait Moïse? Je vais vous terminer là, hein? Quand vous êtes un peu fatigué. Qui fait nous avait Moïse quand il causait? Parce qu'il avait la loi. Parce qu'il avait la loi, oui, d'après. Hein? Parce qu'il a l'éternel pour la travailler, le tango, mon problème, le. Parce que Dieu donnait la bouche passée. Dit gaga. Il n'a pas redit. C'est-à-dire quand il causait, tout pas comprendre. Quand Moïse finit, il a une voile. C'est-à-dire sa voile-là qui a ôté. Alors qui cette voile-là pour le dire? C'est en Christ. C'est Jésus-Christ qui vient dévoiler tout ce qui est là. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire quand on lui pète bien, Moïse, lui dit. Il y a les causés qui m'ont dit, ça n'est pas bien, on a dit, il y a un tabac, ça va. Tout la Bible, comme ça. La Bible est oubliée, mais on parle bien. Mais est-ce qu'il y a besoin d'une interprétation des langues pour interpréter? Et cela, c'est cela pour dire, qui c'est-il, mon vin à besoin d'avoir parlé en langue? Si mon vin à besoin d'avoir la prophétie, doctrine, la connaissance, la révélation. C'est quelque chose pas bougé, il ne fallait pas être bougé. La doctrine n'est pas bougée. La prophétie n'est pas bougée. Mais la connaissance, la révélation, au capable, comment dire, bouger, amène pas ici, amène pas là-bas. Mais la doctrine n'est pas bougée. Je connais qui était la doctrine. Et je donne. Doctrine qui était. Baptême est une doctrine. Ça se démontre, c'est une doctrine. Comme nous, Fatemé, c'est une doctrine. Les pornos, c'est une doctrine. C'est-à-dire la doctrine de Christ. Mais Esther, elle a la prophétie. La prophétie, lui, il bouge dans sur les temps. Je vais mettre la prophétie pour les temps de tout vie, quelque chose. Et c'est nous qui l'a. Si qui est là dans l'église, là, il y a ses balles blancs, là, il y a ses balles roux, il y a ses balles noires, il y a ses balles pâles. Tout ça l'a fait une orgueil. Mais il trouve dans l'église, là. Amen. C'est vous, c'est là qui, quand je finis, pour commencer. Mort sincère, tout le temps demande Dieu, priez, priez pour moi, moi je vais prier pour vous, qu'il les tient parmi les pensées. Parce que là, côté il n'y a pas d'autorisation pour sortir pour venir. Est-ce que là, quand il est assisé à ces balles-là, là, connaissez ça qui est assisé, c'est l'église qui a. Et ça, c'est l'église catholique qui nous vient. À cause de ça, même qu'on dit à l'église catholique, ce système encore. Il y a encore là. Le bien qui récupère tout ce système là pour nous. Et cela, moi, je vais dire que Babylone est sorti. Mais à cause de même qui, le bien qui récupère l'Égypte, récupère tout ce qui est là pour nous capables de suivre. Amen. Vous ne pouvez pas que les dents dimanche, hein? Tant qu'il y a la réveillon, tu es malade, tu veux la guerre au moins, qui fait mal faire rien. Là, tu peux pratiquement ça. Et cela, mais des fois au moins ça. Il y a le temps de la réunion dans le même. Il y a le temps. Et de là, vous n'êtes pas comme ça. Au contraire, quand on peut dire faire ça, nous sortir, frère. Amen. Et pas oublier, frère, de tout qu'il y a. Quand je trouve nous par là, quand je trouve un frère par là, c'est des gens qui viennent en finale ensemble, je peux faire l'œuvre de Dieu. Quand je suis là, je prie pour nous, encourage-nous. Pas dire, il va aller, qui dit quoi? Jésus, nous quittons, nous, Jésus qui parle de nous. Amen. Il faut dire nous aller pour les autres du monde capables de sauver. Et où la prière est nous capables, et dans la parole dans la bouche, et dans l'encouragement. Amen. Mais mon demande, c'est quand je fais dans l'équipe là, dans qui l'équipe vous était? Est-ce que vous dans faillite? Soit dans le deuxième âge, ça ne fait qu'il peut avoir une vision. Hein? C'est là. Qui vous êtes-vous dans l'équipe faillée ou l'équipe c'est là? Si vous dans l'équipe,
Nous ensemble. Mais cette fois, si vous voulez nous pécons de qui? Il y a un problème. Est-ce que là? Il ne faut pas se compte de qui? Parmi nous, chacun est dans cette différence. Un acar, il peut causer un peu de un acar. Mais l'esprit qui vient disposer, n'a rien fait. L'esprit qui a pas venu de moi, il ne s'en fait assimiler. Ça, c'est l'esprit. Demain, c'est la serre là. La serre là. Il n'est pour mettre assimiler même lui. Il vous mettez un lit. Un peu de la serre, il vous baisse un lit. Parce qu'il te dit, fait, de dire, il fait. Quand on entend la il nous la serre pour nous. J'ai dit qu'il ne fait pas faux. C'est l'esprit qui vient dire. De l'esprit disposé de faire bonne action. Mais de mettre la serre, il pourrait pousser. C'est un qu'appelle l'homme. L'homme dit comme ça. Il faut faire bien, lui. Mais c'est moi qui dans la serre, déjà, il ne te pousse pas. Mais toi, c'est elle que vous avez. Tu l'as maîtrisé au nom de Jésus-Christ, amen. Mais nous, autant qui dans la vérité, essaye d'écrire sa chair. Amen. Amenez à la sous-outil, amenez à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Avant de lui terminer, la plus correcte. Quelle est la question? Avant de lui terminer. Tout correct? Oui. Oui. Parce que Zida, Dieu le crédit pour ça. Et le Bina fait ça. C'est pas. Est-ce que je ne peux pas penser? J'ai dit comme tout. Si Pénali dans le bas du coula. C'est-à-dire, dans le plan bon Dieu, il finit à voir ça l'esprit là pour c'est lui qui examine Jésus. Vous avez compris? C'est-à-dire, celle qui nous trouvait là-bas, Pénal n'a rien à savoir. Ça l'esprit n'est venu. Parce qu'ils aiment quelqu'un pour livrer. C'est-à-dire, ça va être que vous verriez ça. C'est Dieu qui fait ça. Pénal n'en est arrivé. Est-ce qu'il lui-même lui dit, Jésus dit à Simon, il dit qui s'en a pas avec moi? Mon cas lui ne l'a même pas répondu. Et Jida, quand il vient avec Jida, il dit, rien de mon commentaire, tu vas déjà exister. Puis le mec qui te met un rose à ta soeur dans la mer et toi. Mais en réalité, pour moi, il faut bénir pour Dieu ou Jida. Ou quand tu la tête, à moi, mon béni pour Dieu ou Jida. Moi, le frère, mon Dieu, je suis de la Sainte. Il ne faut pas pleurer à cause de Jésus la croix. Moi, mon Dieu, pour lui dire, si pas, pour lui dire, pas tu c'est pas sur l'amour qui nous l'a. Mais c'est pour dire, non, pas mot, pas mot. Nous, tu fais de lui, c'est pas lui. Tu es religieux sur les coups. Non, mon grand frère. Sans l'amour, c'est nous qui sauve nous. Dieu est tellement content, nous lui fait la colère de Dieu peut-être derrière sur nous, mais Dieu fait derrière ça de son fils. Est-ce que nous parler nous? Mais qui nous le fait? Vous avez compris ma Dieu fait? Dieu se colère avec nous autant les pères, ils ont tué le tout qu'il a. Mais c'est non, il fait prend ce garçon, il place sur un lacroix, il a voulu tout se colère le lit, il devient sur la roue. Est-ce que nous permet de tirer le lacroix? Il prend le lacroix là. Il sortit, il doit rater. Pour lui sauver, nous. Jésus connaît dans quelle raison. Moi, je vais dire ça pour dire à Jésus. Mon compteur, il y a un jour qui peut pleurer. Mais qui dit qu'il y a un jour? Il y a un jour qui peut sortir la croix. Peut dire cela en nous. Qui dit qu'il y a un jour? Pleurer deux enfants. Mais quand il y a un jour, il pleure moi. Il dit pleurer deux enfants. Il sont mission, il ça. En comptant, moi, encourager au nom de Jésus. Si j'arrive là-bas, nous, au même et cela, on croit jusqu'à la fin. C'est pour ça que nous avons fini de sauver. La parole pas tu peux accomplir si tu ça. Amen. Le coup lui dit bien, tu y là-bas, mais troisième jour. Maintenant, j'ai veillé c'est imposteur là. Veille ça, ça a un menté à ça. Veille dit. Veille rose comme ça. L'Indien pourrait c'est imposteur là. Frère, troisième jour. Ça.
ça nous glorifie. Deux que là, troisième jour, lundi, Jonas pouvait trois jours, trois nuits dans mon poisson. Mais troisième jour, Quand Jean viré qui était pour connaître ça, voilà, il n'a pas connu. Mais il n'a pas connu. Pourquoi Jésus, ça pas Jésus, Jésus-Christ. Là-bas, là, c'est Christ, c'est qui nous là, c'est Jésus. Et sûr, là, comme bien, nous expliquer ici, est-ce que Christ est mort? Non. C'est Jésus qui est mort. Ok? Christ y est éternel. C'est-à-dire, ce qui nous dans l'Apocalypse, ça n'a Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça, Christ, Dieu. Dis ce que je veux dire. Non. Ça, c'est la révélation de Dieu véritable. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que mais il faut deux Jésus. Personne ne m'a oublié. Là-bas, dans Jésus, dans la révélation. Amen. C'est ça, Jésus-là, qui va adorer autant que Dieu. Et pour moi, c'est une bonne question. Voilà. Et pour bénir le Seigneur, après nous faire les offrandes.